Hello tout le monde, c'est Testeur de Jeux Pas Cool. Aujourd'hui, je vais vous parler de la clôture des Jeux Olympiques qui ne m'enchante pas vraiment. Qui ne m'enchante vraiment pas. Bref quoi. Ça me saoule quoi, que les Jeux Olympiques soient finis. Bref quoi, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et puis au revoir! Hello tout le monde, c'est Testeur de Jeux Pas Cool. En fait, je venais juste finir de pleurer. Ah! Vous voulez savoir pourquoi je pleure en fait? Ah bon, c'est très simple. C'est la fin des Jeux Olympiques. Non, c'est pas vraiment la fin. Mais c'est la clôture des Jeux Olympiques d'hiver. Donc, voilà quoi. Bon, c'était pas des. C'était des très bons JO quand même. Jeux Olympiques. Bon, au début, moi, je disais tout le temps, oh putain, les Jeux Olympiques d'hiver, c'est de la merde. Moi, je regarde que l'été. Bouh, bouh, c'est de la merde. Puis ensuite, après, je m'y suis attaché. Puis j'ai commencé à regarder, 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 et regarder. Bref, quoi, j'ai tellement regardé les Jeux Olympiques qu'à la fin, j'ai fini par m'y attacher. Donc c'est pour ça que je pleure un peu. Mais non, c'est pas vrai, je pleure pas. Oh, maintenant vous croyez que je pleure, non mais. Non. Donc, là c'est un gameplay de Skillet Challenge. Et franchement, je ne sais pas vous, mais moi j'ai passé de très bons Jeux Olympiques. Attendez. Voilà, j'ai remis mon micro. Rien. J'ai passé de très bons Jeux Olympiques en ma compagnie tout seul. Avec les commentateurs suisses. Bref, quoi, je fais pas de publicité. Et tout ça. Bon, il y a bien eu la déception de la Suisse au hockey, puisqu'on était quand même vice-champion du monde. Ok, faut pas trop frimer en disant, ouais, je suis vice-champion du monde, c'est bon, rien à foutre, les autres, c'est des merdes. Mais non, quand même pas, mais la Lettonie, on les a tout le temps battus, ces Lettons. Non, mais vous vous rendez compte? Non? Oui? Non? Non, non, non? Les Lettons, on les bat, on est censé les battre. Oui, je m'excite un peu. Je n'ai rien contre les Lettons, mais quand même, nous sommes supérieurs. Nous sommes. Non, quand même pas une race supérieure. Mais nous les battons, eux, qui sont tout près de la mer Baltique, avec leur. Les pays baltiques. Non, mais. Oui, bon, là, vous allez dire que je suis un peu contre les Lettons. Mais quand même! En plus, pourquoi on met le sixième joueur à la fin? On aurait pu égaliser avec nos cinq joueurs, avec Hiller au goal toujours. On aurait pu égaliser. Mais bon, c'est le passé, mais on aurait pu égaliser. Il y avait 2 à 1, mais comme l'entraîneur machin Simpson voulait pas. Saint Simpson voulait pas. Enfin, voulait courir tous les risques, il a préféré mettre le cinquième joueur et on s'est pris à un autre goal. Donc voilà quoi. Ça m'énerve. Mais bref, quoi, de toute façon, je vais jouer à NHL, je vais me venger contre eux, et au pire, si je perds contre eux, je vais jouer sur FIFA, et puis là, je suis sûr de gagner. Enfin, pas sûr, mais quand même, la Suisse, ils sont bons au foot. Ah, peut-être pas. Peut-être bien. Bref, ça a été de merveilleux Jeux Olympiques. Je vais pas faire un débriefing, comme on peut le dire, et tout ça. Et tout ça, et tout ça. Bref, quoi. Passez de bonnes clôtures. Non, c'est pas fini, en fait. Passez de bonnes clôtures. Franchement, en ma propre compagnie, j'ai bien aimé. Sans amis. J'ai bien aimé ces Jeux Olympiques. Non, il y a rien qui s'est mal passé. Au début, on pensait aux attaques. Si je puis dire, si je peux y dire, non, est-ce que, si je peux dire terroriste, mais non, il s'est rien passé, aucune attaque terroriste, enfin, en tout cas, je ne le sais pas, peut-être qu'il y en a eu, mais bon, en tout cas, il y a, ça c'était des bons JO, il y a tout le monde qui critiquait Vladimir Poutine, mais, ou sinon, ces JO se sont très bien passés, on pensait qu'il y aurait plein de problèmes et tout ça, mais non, bon. Il y avait juste la Suisse qui a perdu contre la Lettonie qui m'énerve toujours. Mais bon. Mais bon. Ouais. Ah oui, si jamais, pensez à cliquer ici pour vous abonner. Enfin, ici en bas à droite. Ouais.
Oui, pensez à vous abonner aussi, mais bon. Bref. Oui, ben voilà quoi. C'est un peu. C'était des bons Jeux Olympiques, avec une très bonne ambiance, des nouveaux sports. Franchement, je les ai bien aimés, ces Jeux Olympiques. Tous les sports, oui, malgré qu'il y a eu des blessures, mais bon, ça c'est normal aux Jeux Olympiques, du non-fair-play et tout ça. On peut pas tout le temps gagner. Aussi avec un magnifique. Il y avait aussi des pleurs de joie. Mais bon. Avec ce magnifique Dario Colonia qui gagne en ski de fond. Ouais, non, je sais pas. Bref, quoi. Un très bon Dario Colonia. Il a de l'espoir. Enfin, il a de l'espoir et tout ça. Bref, quoi. Ouais, c'était de très bonnes. Oui, bon, je le répète plein de fois, des très bons JO, Jeux Olympiques, qui se sont bien passés, sous de bonnes. Comment puis-je dire? Une bonne ambiance. La Russie, c'est un très beau pays, un très grand pays aussi, à Sotchi, qui est bordé par la mer Noire. Ouais, malgré qu'au hockey, on a bien raté contre les Lettons. Mais bon, faut pas trop s'y croire, faut pas tout le temps frimer en disant. Enfin, faut surtout pas se décourager en disant ouais bon on est les champions et puis c'est bon on gagne tout. Non, c'est pas comme ça. Ah, qu'on gagnera plus souvent. Bref, c'était de très bons JO pour moi. Oh non, ça m'énerve en fait, je l'ai dit déjà 20 fois, ce mot. Enfin, ces mots. Ouais bon bref quoi. Je vais pas vous dire oui alors machin a gagné tout ça. J'étais pour la Suisse et la Chine. Ça s'est bien passé pour eux. Ils étaient au moins dans le top 10. Enfin. Oui, non. Je sais pas en fait. Je regarde pas trop les résultats. Des fois oui, mais là je le regarde pas. Et puis ça s'est passé sous une bonne ambiance, ça s'est dit, ça s'est dit, ça s'est dit. Ok, tout a été dit. Ok, c'est bon, je peux terminer la vidéo maintenant. Ok, au revoir. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, le mytho que je suis. Ah, je suis un très bon menteur, hein. Non, mais abonnez-vous. Mais je l'ai déjà dit. Réabonnez-vous. Pouce vert, pouce rouge, ça m'est égal. Mettez un commentaire soit positif ou mettez-en pas. Je préfère avoir des pouces rouges qu'un commentaire négatif. Et ouais, je suis ce genre de personne qui aime pas s'améliorer, je fais les choses à ma manière, à vous. Vous préférez votre manière, ouais. Et puis voilà quoi. C'est des bons Jeux Olympiques que ça a été dit. J'ai souvent. Ah oui, mes sports préférés c'était le curling et puis les jeux. Le hockey sur glace. D'ailleurs, au hockey sur glace, je crois que la Coupe du Monde va revenir. Mais avec un truc en collaboration avec la NHL. Enfin, c'est pas le championnat du monde. Désolé, je ravale ma salive. Non, c'est la Coupe du monde. La vraie, de vrai. Avec les meilleures nations. J'espère que la Suisse y sera. Donc voilà quoi. Non, toujours pas fini. Ok. Des fois, en fait, les gameplays ont différé. Ce qui m'énerve, c'est que à un moment, j'ai plus rien à vous dire. C'est pour ça hein, que voilà quoi ça. Désolé, j'ai touché le micro, que ça m'énerve. Bref, les Allemands ont été très bons, les Russes aussi, les Américains aussi, félicitations. Et puis quoi encore? Que dois-je dire? Que dois-je dire? Que dois-je dire? Un rapport avec les les JO. Non, je vois pas de rapport avec les JO que je pourrais encore en parler. Oui, bon, Poutine qui a fait un vol jusqu'en Allemagne pour voir la blessée. Désolé, j'ai retouché mon micro, ça m'énerve. Bref, franchement, je pensais pas que Poutine allait faire ça, mais bon, c'est quelqu'un de son propre pays. Désolé, je me grattais quelque part. Ouais, non. Ça me démange en fait.
Oui et non quoi, j'ai rien. C'est juste des fois, on vous dit de pas vous se gratter, ça va passer, mais moi, je sais pas, j'arrive pas. Bref quoi, on va pas parler de ça. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo sous une bonne ambiance de Jeux Olympiques. J'ai été très content de ces Jeux Olympiques. Et puis passez une bonne clôture. Moi, je crois que la clôture. Ouais, je vais la regarder cette clôture. Ça va prendre moins longtemps, je crois, les clôtures. J'en ai pas regardé beaucoup. Mais ouais, je crois que ça va se passer moins longtemps. Et puis, on se retrouve à Rio. Ou bien à Pyeongchang. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir. Désolé de cette coupure. En fait, c'est un problème. C'est que je parlais trop longtemps avec vous alors que je savais pas de quoi parler. Donc, je dois faire vite. Et puis, donc, j'ai dû rajouter un nouveau gameplay par-dessus. Donc, c'est normal que ça coupait un peu. Ben voilà quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis au revoir dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ok, bon, ciao. À plus. Au revoir. Redésolé, en fait, j'avais plus de temps devant moi, mais bon, voilà quoi. Donc, j'ai encore à peu près 1 minute et 20, 1 minute 20 devant moi. Donc, c'est suffisant pour vous parler de tout, quoi. Bon, bah, abonnez-vous, bien sûr. Et puis, regardez mes deux autres vidéos aussi. Attendez. Ah, ouais, non, j'avais juste. Non. Laissez tomber. Donc, voilà. Regardez ma vidéo sur Deng Xiaoping, qui va bientôt apparaître dans les trois de deux dernières vidéos, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est chiant, franchement. Non, pas de faire une vidéo, mais non, d'expliquer tout ça. Je dis beaucoup de tout ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, et puis, au revoir. Cette vidéo touche enfin à sa fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, pouce vert. Et si tu n'as pas aimé, ben, pouce rouge. Au revoir.